Mais après avoir fait deux fois deuxième, c'est sûr que ça me plairait bien d'arriver première. Mais l'objectif, ça serait quand même déjà d'arriver. Je crois que le plus important dans le trail, c'est le partage qu'il y a avec son propre conjoint ou famille et avec les pratiquants. Saint-Bernard est né en octobre 2008 d'une idée un peu folle entre Tiffaine et moi, l'idée de créer un ultra en Suisse, le premier ultra trail, le premier trail de plus de 100 km. On s'est lancé dans l'aventure avec Julien en octobre 2008. Il y avait une envie de participer pour moi à un premier trail. C'était pas possible de participer à l'Ultra Trail du Mont Blanc, faute de points qualificatifs. Donc Julien, qui avait ce rêve depuis longtemps, a dit go, on crée un trail en Suisse, entièrement suisse, de plus de 100 km, avec un petit parcours qui soit accessible aux débutants, et tu pourras y participer. C'est pas que le trail, c'est pas que la compétition. Donc c'est un tout. Et c'est ça qui est beau, d'être en montagne et faire du sport en montagne. C'est parti! C'est assez vite dessiné autour de la région, puisque la région touristique s'articule autour de Verbier et du Grand Saint-Bernard. On a cherché à faire deux parcours, une boucle de plus de 100 km et un parcours plus petit, je dirais, de 50 à 60 km. C'était l'idée de base. Il fallait faire vivre les villages, donc
en mélangeant la création d'un parcours, le fait de traverser des villages et de franchir des cols, le parcours était assez vite donné. Sourire comme ça, c'est toujours agréable. Alors je pense qu'avec les nouveaux trails qui vont se créer en Suisse, il s'agira de développer les synergies avec ces trails-là. Bien évidemment que nous, on a ce partenariat avec l'Ultra Trail du Mont-Blanc, on a une ambition internationale. Voilà. Mais à terme, ce sera vraiment de développer le trail en Suisse qui correspond à une vraie émergence de la discipline. Thank you.
plus belle partie, c'est le matin, quand déjà on regarde un petit peu, parce qu'après on ne regarde plus trop. Parfait quand on aura tout terminé et que tout aura bien été.